il a l'autre. Vu ce qu'il a l'autre monsieur, ça sera un petit peu compliqué si j'ai pas de lancier quoi. Il est là monsieur le sorcier grand chapeau, il est là. Hein. C'est pas le sorcier grand chapeau là-dedans, c'est un général à la mort molle neuve. Oh là là. Oh l'armée de fous qui se tape quoi. Bonjour. Très bien, 20 sur 20. On aura le maximum de nos forces possibles. Du coup. Go le serpent qui fume. Évidemment. Alors, donc, y a pas... ils sont pas là, hein, Pestilence, ils sont encore ailleurs. Donc, les anciens ont laissé dimensionner, évidemment, donc ça, c'est les super énigmes. Pour accéder au trésor, résolver l'énigme, la solitude, les solitudes est toujours désirée. Donc, la solitude est toujours désirée. Qu'est-ce que je place ici, c'est bien ça? Alors, il y a des fléchons... Ici, il y a ça. Ici, il y a le plug. Ici. Et il y a ça. D'accord. Bah moi, je dirais que c'est rouge. Parce qu'en fait, si je mets du violet, il est pas tout seul. Si je mets du bleu, il est pas tout seul. Bon. Bah ça fonctionne pas. Le deuxième. Pourquoi c'était le deuxième? Et pas le troisième? Parce qu'il aurait été raccord avec du violet, non? C'est parce que les symboles doivent pas se ressembler, c'est ça? Pourtant, il y en avait un autre de fléchon violet comme ça. Car c'est le seul qui était unique. Ok, ça roule. Bon, bah, je suis allé trop vite. Je suis désolé. Salut, Diable Spar. Donc, mais c'est le matin. Mon esprit est embrumé. Mon esprit fait de la merde. Et je ne sais pas play, de toute façon, qu'on se le dise. Voilà. Résistance au projectile plus 10% et défense en mêlée plus 10%. Alors ça, pourquoi pas à l'avenir, vu que j'aime bien le mettre dans des combats. Pluie toxique, ça peut être sympa aussi. Enfin, quand je dis je ne sais pas play, c'est une blague. Hein. On blague sur un mec qui est arrivé et qui était en train de rager hier. Merci, merci du follow. Justement, il était là, mais il n'avait pas de double. Ah, d'accord, donc l'autre symbole n'avait rien à voir, il était juste jaune. Ah ouais, mais bon, pff, je suis un peu con, ouais. Là, t'as raison. D'accord. Et merci donc à Tinnuviel. Je rappelle donc, puisque vous êtes désormais 38, que si vous tapez la commande DLC, vous retrouvez... enfin, vous pouvez gagner une clé. Donc... Ah bah t'en rates 6 ou 7 avant d'en comprendre des fois. Bah oui. Mais là c'est bon. J'en ai 3 sur 4. Il y a 3 énigmes sur 4 que je comprends. Donc voilà, merci Diablo Spar. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Donc la commande DLC c'est simple. C'est un point d'exclamation DLC pour gagner la clé. Voilà. Et on fait principalement pas mal de Total War ici. Hein. Donc n'hésitez pas. On va en retrouver du Total War. On va booster le terrier, parce que c'est l'une de nos... c'est l'une de nos prérogatives. Ouais, bon, on va bien faire un mur, hein, ici. Je peux avancer. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être prudent, et on va sauvegarder... Misplay, voilà. On va l'appeler comme ça parce que je sens que ça va être une grave erreur. Je le sens tellement... Oh là 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 là.
Quel enfer. On va tellement prendre la bite. Tu joues en quelle difficulté? Je joue en normal, parce qu'en fait, la difficulté des Total War, c'est simple, c'est qu'à partir du moment où tu arrives sur difficile, très difficile, légendaire, en gros, c'est tu vas avoir des debuffs et tu vas avoir des buffs. Donc voilà. Enfin, pardon, tu vas avoir des debuffs et l'IA va avoir des buffs. Excuse-moi, je m'exprime mal. Donc, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas intéressant. Je préfère jouer en normal parce qu'au moins, bah, l'IA est pas buffée, toi, t'es pas débuffé, vous êtes à armes égales. Alors, l'IA peut être un peu conne, mais c'est tout. Je vois pas l'intérêt de rattraper ça par du buff et du debuff. À partir du moment où tu joues Scavenge, déjà, ah bah, c'est clair que... Bon. L'avantage, c'est que c'est un sorcier, donc au cac, il va vraiment subir, surtout face à Snitch, qui est quand même très très redoutable au niveau corps à corps. On va mettre les lance-flammes sur mes flancs. Comment ça, ils disent pas bric-à-brac? M'en fous. Moi, je veux qu'ils disent bric-à-brac. Alors, je leur fais dire bric-à-brac. Et si vous n'êtes pas contents, c'est la même chose. Très bien. Alors, les Warp Rider, on va revoir ensemble les unités, hein, parce que vous êtes nouveaux, vous êtes pas mal nombreux à être arrivés récemment, donc on va refaire le tour des unités un petit peu nouvelles qu'on peut trouver. Évidemment. Alors, les coureurs d'égout, on va les placer ici, pour qu'ils puissent se déployer sur les flancs et aller ruiner l'adversaire. Donc, on va retrouver déjà cette unité qui est une unité de triade Isshin. Voilà. Oui, on va manger. Ne vous en faites pas. Ensuite, les foreuses à malpierre qui peuvent s'attaquer au mur, mesdames et messieurs. Donc clairement, j'ai pour projet d'avoir une armée mi-foreuse. Mi-unité à bouclier qui vont juste prendre les tirs des défenseurs. Salut Quentin! Je trouve que cette idée selon laquelle Scaven serait plus dur à jouer et pas du tout justifiée, à mon sens, c'est la meilleure artillerie du jeu. Alors ça c'est vrai, on est d'accord. Les unités de CAC sont là uniquement pour s'occuper... pour occuper les troupes adverses le temps que l'artillerie fasse le massacre. Ouais. C'est sûr. Mais en fait c'est plus sur les spots, le fait que ça ait pas de morale... et que tu te retrouves en général face à du Krogar par exemple ou autre. Et enfin évidemment on a Snitch ici. Et également que tu aies tout le concept de loyauté et de nourriture. C'est les mécaniques en campagne en fait. C'est pas vraiment dans le c'est les mécaniques en campagne. Et c'est surtout aussi au début le early qui est assez compliqué. Parce que quand t'as pas d'artillerie en early, ben t'es un peu voilà. Hop, on va commencer la bataille. Maintenant que j'ai une armée full. Au secours. Bon. Ah mon dieu, il fonce droit sur nous, hein, comme on dit. Ça se déploie ici sur le côté. Watch.